Bonjour, c'est Gaëlle. Le message du jour, la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est quelle est votre valeur? Quelle est la valeur que vous accordez? J'ai envie de vous dire qu'il est temps d'arrêter de se brader, aussi bien dans les relations amoureuses, familial, amical, dans votre travail. Ça suffit? Quelle est ma juste valeur? Qu'est-ce que je vaux? Mais vraiment, réellement, passe pas. Qu'est-ce que je vaux une fois que je laisse mes peurs et mes doutes m'envahir? Parce que, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais mettre en place? Est-ce qu'il va m'aimer? Parce que si je montre ça, et est-ce que... Stop, ça suffit. Je suis ce que je suis. C'est ma valeur, c'est ce que je suis, c'est ce que j'offre au monde, c'est ce que j'offre aux autres, c'est ce que j'offre dans les relations. Et mince, j'ai pas envie de me contenter des miettes. Je veux pas les miettes, je veux pas des miettes d'attention, je veux pas des miettes d'amour, je veux pas des miettes de travail, je veux pas survivre dans ma vie, je veux pas... Alors oui, il va falloir mettre en face les projets, les actions, la détermination, la volonté nécessaire pour arriver à ce qu'on veut vivre. Mais quel bonheur de s'accorder le droit d'oser rêver sa vie et ensuite de se mettre en action pour oser la réaliser. Alors oui, moi je veux pas les miettes. Je ne veux pas me contenter de ce que les autres auront laissé. Je ne veux pas me contenter un petit bout de gâteau. Moi, je veux le gâteau, la chantilly, le chocolat et la cerise sur le gâteau. Je veux tout. Donc oui. Alors maintenant, on se retrousse les manches et on fait ce qu'il faut. On dit non. Parce que derrière, on dit oui à notre grand oui. Allez voir la vidéo d'il y a quelques jours. On pose les actions nécessaires pour changer la vie, notre vie, pour changer ce qui ne va pas. Et pour vivre enfin la vie qu'on a envie de vivre. Quelle est ma valeur? Qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que j'estime mériter? Alors, je ne vous dis pas que tout va être super facile, qu'il n'y aura pas des moments où vous n'allez pas baisser les bras, etc. Mais ça fait partie de la vie. Et finalement, quel beau challenge, quel beau défi par rapport à soi, par rapport aux autres, par rapport à la vie, que d'atteindre cet accomplissement, cet épanouissement, ce rayonnement. Je suis toute contente en fait, de vous dire ça. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à partager, à commenter, parce que votre soutien me fait du bien et c'est ce qui vient aussi m'alimenter chaque jour. Donc merci, merci beaucoup pour vos encouragements et votre soutien. Et je vous dis à demain. Bye bye.